Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ensemble, le podcast de la CCI du Pays d'Arles. C'est le podcast qui fait le bilan de 5 ans de mandature pour l'équipe de Stéphane Paglia, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, cette équipe dont j'ai le plaisir de faire partie. Et je partage ce plaisir avec Bernadette Bresse-Reboul. Bonjour Bernadette. Bonjour. Bernadette, ta délégation, c'est le commerce, donc on va en parler. Mais j'ai aussi le plaisir d'accueillir Sofiane Benabderrahman, qui est l'heureux propriétaire du Café de l'Avenir à Mastibère. Bonjour Sofiane. Bonjour. Donc avec Bernadette et Sofiane, on va parler commerce. Bernadette, cette mandature, le commerce est essentiel. Combien de commerces en Pays d'Arles ? 5231 exactement. Précise. Et c'est plus 19%, si je ne me trompe pas, depuis le début de notre mandature. Bravo pour cette délégation et ce beau chiffre. Comment vous rappelez 2016, on nous annonce la fermeture des plages à Salins-Giraud. Comment la CCI réagit? Comment on a pu accompagner ces commerces? Eh bien, la CCI a réagi tout de suite parce que les commerçants étaient très inquiets du fait que les plages fermaient, donc c'était très compliqué pour eux. Et nous avons décidé, le président a pris aussi le taureau par les cornes, il m'a donné l'attitude de mettre en place un petit marché pendant 2 jours, hein, 2 soirs de suite, un vendredi et un samedi. Il y avait ce petit marché sur Salins-de-Giraud où il y avait des exposants, des commerçants, des petites personnes qui faisaient des produits un petit peu particuliers de la Camargue, des produits camarguais. Hein. Donc, pendant 2 soirs, nous avons reçu pas mal de monde. Puis, nous avions mis aussi en place un esprit client pour mettre en avant les commerçants. Esprit client, Bernadette, c'est quoi ? Esprit client, c'est un dispositif qui est très important pour les commerçants. C'est-à-dire, on met en avant les commerçants, on parle de leur magasin, on parle du commerçant. Là, derrière, il peut y avoir aussi de la formation qui vient pour le commerçant qui a un souci... Dans un souci, affaire, ouais. Voilà. Et puis, il y a un visiteur mystère qui vient dire telle chose va bien et telle chose va moins bien. Voilà, c'est ça qui est très important. Esprit client, c'est un dispositif qui se fait en partenariat des communes, à la demande des communes aussi. Je crois qu'on l'a mis en place dans plusieurs communes pendant ce mandat. Oui, c'est un partenariat avec les communes. Donc, ça a été mis en place à Barbantane, à Malemort, à Manon, Aiguière, je crois, voilà, Rognona, voilà. Super. Donc c'est un dispositif d'accompagnement, donc on voit l'expérience de Salins-Giraud, action, réaction, problème, on est à l'écoute et à l'accompagnement des commerçants. Esprit client, c'est une veille permanente, mais la CCI dans le commerce, c'est aussi comment on agit sur les cœurs de ville, comment on aide les créateurs et les repreneurs. Et c'est là que Sofiane intervient pour témoigner un petit peu de son projet. Racontez-nous, Sofiane. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai repris le Café de l'Avenir depuis novembre 2020. D'accord. J'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Et depuis novembre 2020, nous sommes en travaux et nous avons ouvert pour en juin. Ce projet que la CCI m'a beaucoup accompagné, ainsi que Madame Bresse-Reboul. Donc vous, c'était une création ou une reprise ? Alors, c'était un café qui est fermé depuis 15 ans. D'accord. Une quinzaine d'années. Ouais. Et qui a toujours existé sur Mastibère, et on a décidé de rouvrir ce café qui depuis une quinzaine d'années était fermé. Bah écoutez, félicitations. Donc là, vous avez fini les travaux, vous avez ouvert. Donc on vous souhaite une belle vie dans cette entreprise. La Chambre de commerce et d'industrie, elle vous a accompagné sur la création, le financement. Comment ça s'est passé ? Alors la Chambre de commerce m'a accompagné, je pense, presque sur tout mon projet du début jusqu'à la fin. Et elle m'a accompagné financièrement, ainsi que démarche pour le comptable, pour tout ce qui est tous les papiers, etc. Et donc Madame Bresse-Reboul m'a accompagné. Je veux dire parfaitement bien quoi. Bon ben super. Écoutez, longue et belle vie au Café de l'Avenir à Mastibère. On va venir profiter de votre terrasse très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Sofiane pour ce témoignage. Merci beaucoup. Voilà, j'en profite pour féliciter et remercier les permanents de la Chambre de commerce, parce qu'une Chambre de commerce c'est des élus, mais c'est aussi des permanents, des gens qui vous renseignent, des gens qui vous accompagnent, des gens qui sont sur le terrain pour répondre à tous les sujets, la création, les démarches administratives, mais aussi le numérique. Enfin, voilà, il y a tout un panel de services à la Chambre de commerce et d'industrie. Bernadette, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette expérience avec Sofiane ? Bah,
c'est vrai que ça a été une expérience très enrichissante, mais je pense que Sofiane a oublié de dire quelque chose qui est très important, c'est qu'il va être bistrot de pays, et ça, c'est très important. Alors, bistrot de pays, dites-moi, Sofiane, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un label qui est dans notre région, en PACA. D'accord. J'ai reçu la personne ce matin, voilà, c'est un label comme pour montrer la qualité des produits qu'on va produire ici au Café d'Avenir, qu'on travaille localement. Et dans les Bouches-du-Rhône, il y en a zéro, je crois. Je crois zéro, un peu de partout. Et ce serait le premier café et restaurant avec le label Bistrot de Pays. Bah écoutez, multiples félicitations pour tout ça. Et j'invite les gens à se renseigner sur ce label parce que vous êtes peut-être juste le premier d'une longue liste à promouvoir le talent de notre pays. Tout à fait. Il faut savoir aussi qu'il y en a beaucoup dans les Alpes, mais pas chez nous. Donc, c'est bravo, Sofiane. Bravo. Ben, félicitations pour cette belle entreprise. Félicitations, Bernadette, pour cette mandature. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous invite à retrouver les services de la CCI du Pays d'Arles sur site à Arles ou alors sur notre site internet. À très vite.